Bon, alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce que j'ai fait une semaine en fait sans écran. Je me suis coupée d'internet, de mon téléphone, d'un ordinateur et tout ça. Donc là, je suis actuellement en Thaïlande, ça fait presque 2 mois que j'y suis. Et du coup, j'ai profité de ça pour faire justement cette pause d'écran. Et donc, j'avais envie d'en discuter avec une amie qui est avec moi, Anaïs. Donc, elle va me poser quelques questions à propos de ça, de mon ressenti, et je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait de se couper un peu d'internet. Alors même si ça paraît pas être un truc de fou, enfin il y a certaines personnes je pense qui s'en passent très bien. Je pense que pour notre génération c'est bien d'avoir de tenter l'expérience. Donc c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Donc voilà, Anaïs, que vous ne verrez pas à l'écran mais qui sera très très utile dans cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. Hein. Le postulat de départ en fait c'est voilà, on est tous dans un mode de vie où on a des écrans tout le temps, donc téléphone, télé, internet, ordinateur, n'importe. Et je pense que quelle que soit la génération, on est confronté de toute façon aux écrans, même si nos parents diraient oui, une semaine sans écran, qu'est-ce que c'est, nan, nan, nan. Au final, quelles que soient les démarches que tu dois faire, enfin, pour tout plein de choses dans ta vie, tu as besoin d'un écran, tu as besoin d'internet. On n'a plus le choix. Donc je pense que c'est quand même un sacré défi de se couper de tout ça pendant... Bon, une semaine, c'est pas incroyable, mais c'est déjà un début, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup, 24 heures sans téléphone, c'est déjà compliqué. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'occuper et tout ça. Donc là, étant dans un environnement particulier, avec le fait que je sois... Déjà, je suis loin de chez moi, je suis loin de mes habitudes. Donc du coup, je pense que c'est dans ce contexte-là, c'est limite plus simple de vraiment tenter cette expérience, de se couper l'internet. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça. Là où c'est un peu différent par rapport à d'autres personnes, si tu restes chez toi, tu vis, t'es toujours dans ton quotidien, tu dois aller au travail et tout ça. Si t'as pas ton téléphone, t'as pas internet, c'est compliqué tu peux pas vraiment te couper du monde et dire bon ok pendant une semaine je touche pas à mon téléphone, je touche pas à mon ordi, mais tu restes dans la même routine. Je pense que la coupure il faut qu'elle soit un peu plus brutale. Donc pendant tes vacances tu peux essayer de faire ça, ou pendant un moment de ta vie où t'es peut-être plus dans la même dynamique que habituellement. Et qu'est-ce que tu cherchais là derrière, vraiment, en voulant te couper des réseaux sociaux? Ouais, je pense que c'était une espèce d'expérience sociale, une expérience aussi avec moi-même, parce que je me suis jamais confrontée à ok, je vais occuper mes journées, mais sans avoir d'écran, parce que ça paraît assez. Enfin, a priori, moi, ça me paraissait assez compliqué, parce que vu que. Enfin, je veux dire, même quand je dessine, j'ai mon iPad pour avoir l'image de référence, j'ai une vidéo qui tourne, j'ai souvent mon téléphone à côté, et du coup, de temps en temps, je suis toujours en train de checker dessus qu'est-ce qui se passe et tout ça. Enfin, l'écran, il est toujours présent, même quand tu fais autre chose. Ton téléphone il est à portée de main, très très vite t'as la distraction de tiens je vais regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou quoi. Et se dire de ok tout ça ça dégage, internet c'est pareil, c'est une espèce de défi. D'un côté voir si je peux le faire, et d'un autre côté est-ce que ça va changer quelque chose, ça va me faire réfléchir, ça va m'apporter des nouvelles réflexions et tout ça. Est-ce que ça te permet aussi de mettre un peu en off ton cerveau? Parce que pour moi, l'impression que j'ai, c'est que les réseaux sociaux fait que les réseaux sociaux, enfin Internet, les médias font que ton cerveau, il est tout le temps en activité. Il n'arrive pas à s'arrêter. Donc, Ouais, mais souvent en plus on occupe notre esprit avec du vide. Enfin, je trouve en fait que même quand tu scrolles Facebook et que tu regardes plein 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 de trucs, t'as l'impression waouh, enfin t'apprends des choses ou tu suis la vie de quelqu'un ou j'en sais rien. Mais au final, c'est personnellement ça t'apporte pas grand chose. Ça te prend beaucoup de ton temps de cerveau disponible et ce temps-là tu pourrais l'utiliser à faire d'autres choses, à faire des projets, j'en sais rien, des trucs qui sont vraiment plus concrets que ça. Et je pense que, en plus, on est très très vite absorbé. On peut se dire, oh, je vais sur mon téléphone 2 minutes. Et en fait, les minutes, elles passent super vite. Et au final, t'as passé une demi-heure, t'as rien fait. Et t'es bloqué sur ton écran. Est-ce que finalement, à un moment donné, il y a des peurs qui sont arrivées parce que, ben, tu vois, t'as pas accès à ta famille, t'as pas accès aux dernières news, on a tout le Oui, t'as temps l'impression que des... tu peux rater des informations importantes. Mais je pense que. En parlant de peur, ce qui peut être le plus effrayant, enfin ce que moi j'ai, la chose à laquelle j'ai plus pensé, c'est de se retrouver face à toi-même. Parce que du coup, quand t'as pas toutes ces distractions, je pense que tu t'ennuies beaucoup plus facilement. Et si tu t'ennuies, que t'occupes pas constamment ton esprit avec tous ces écrans, t'es beaucoup plus en train de réfléchir, donc de penser à plein de choses, à ta vie. Ça, je pense, ça t'aide aussi à
peut-être à te remettre en question, ou ça fait beaucoup penser. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui fuient ça, tu sais, de s'ennuyer et de réfléchir et de se poser, de penser à ses projets, de penser à sa vie, de penser à plein plein de choses. Il y a beaucoup de gens, sans que ce soit négatif ou quoi, mais l'écran, c'est un peu une espèce d'échappatoire. Tu sais, tu rentres du boulot, t'as passé une journée pas forcément ouf, t'allumes ta télé, tu mets une émission, pas forcément un truc hyper intellectuel ou quoi, et ça t'occupe l'esprit, quoi. T'es là-dedans, t'es dans le divertissement, et ça t'éloigne Y a même des des gens vraies questions de la vie, quoi, tu qui vois. le mettent en bruit de fond comme ça. Ouais, comme ça, constamment, ton cerveau, il est occupé à écouter quelque chose, et t'écoutes pas tes propres pensées, quoi. Tu refoules vraiment tes problèmes, tes machins. Je pense que le fait de s'obliger à faire une pause, ça t'oblige à t'ennuyer, ça t'oblige à réfléchir et à te poser des questions, et c'est assez essentiel, je pense, Tu t'es parce ennuyé? que ouais, ouais, je me suis ennuyée. Ouais, parce que c'est compliqué, parce qu'au début, tu te fais un petit programme, tu te dis ouais, cool, je vais me lever en même temps que le soleil, je vais voir le lever du soleil, je vais prendre mon petit déj, je vais faire un peu de lecture, un peu de yoga, un peu de gym, j'en sais rien. Et tu te dis bon, ça va passer vite, je vais réussir à m'occuper, je vais pouvoir faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, genre lire des livres, que ce que je faisais plus trop. T'as lu Enfin, des livres? je lis sur l'iPad, donc tu vois, j'ai toujours un écran, même si c'est un bouquin, donc ça c'était, j'ai pas pris, donc j'avais pas. Et oui, j'ai lu des livres, incroyable cette sensation. Mais non, du coup, une fois que t'as fait le tour de ça, j'ai fait un peu de peinture pour essayer de, parce que c'est un truc que j'adore faire et c'est une activité, je pense, qui me sauve un peu. Enfin, des journées où t'as trop d'écran, le fait de dessiner ou peindre, ça, enfin moi perso, ça me déconnecte un petit peu. Mais du coup, une fois que t'as fait le tour de ces activités, au bout d'un moment, tu te fais quand même un peu chier, quoi, parce que t'as toujours l'habitude d'être, enfin, tes moments de creux, en fait, où tu sais pas trop quoi faire, bah, par défaut, tu vas te mettre une série, tu vas regarder ton téléphone, tu vas n'importe quoi, mais sur un écran, tu vois. Et là, il n'y avait pas ça. Donc du coup, ouais, un peu bizarre, la sensation de... Il y a des moments où tu te sens genre super bien, apaisé, tranquille, tu te dis ah cool, t'as moins de choses à penser et tout. Et puis t'as des moments où vraiment tu commences à tourner en rond et tu te demandes... Ouais, ça me saoule un peu, quoi. Mais au final, c'est quand même bien. Parce que j'ai essayé de prendre ces moments de creux un peu où tu te dis bon, j'ai fait toutes les activités que j'avais à faire, qu'est-ce que je fais et tout ça. Du coup, j'ai utilisé ces moments-là pour écrire un petit peu et pour essayer de remettre à plat, je sais pas, les différents objectifs que je peux avoir, qu'est-ce qui va ou pas dans ma vie, ce que j'aimerais changer, toutes ces choses à laquelle tu prends pas forcément le temps de réfléchir en temps normal. Donc poser ça sur le papier pour ensuite pouvoir les relire, prendre aussi des nouvelles résolutions en termes d'organisation, genre moins utiliser les écrans ou se faire un espèce de planning de travail pour utiliser plus efficacement les réseaux sociaux et tout ça. Donc tout ça c'est, je pense, un temps nécessaire justement pour se poser ces questions-là, donc ça c'est intéressant. Est-ce que tu crois que c'est possible justement de respecter ces temps que tu mets en place? Je trouve ça intéressant. Je repense à une émission qui a eu sur Netflix, s'appelle Social Media où nos écrans partent en fumée. Je pense que Ouais, tu l'as les vu. écrans de fumée ou je sais pas quoi, Quelque chose dans ce style-là, et c'est les créateurs de tous ces réseaux sociaux. Puis à un moment donné, il dit ben, il a essayé en fait de se couper ouais. des réseaux sociaux en arrêtant de prendre son téléphone chez lui le soir, il le laissait dans la voiture, Ouais. et le matin, ben, en fait, c'était reparti de plus belle. Ouais, c'est compliqué en vrai. Est-ce que finalement, c'est pas juste faire une pause sur le problème et puis Pour reprendre de plus belle derrière, ouais. ouais. En vrai, c'est vrai que c'est compliqué parce que pendant ce moment de pause, tu sais, tu te fais des trucs, des résolutions en mode ouais, le téléphone, pas plus de tant de minutes par jour. Je l'utilise uniquement pour faire ça et ça, genre des trucs efficaces qui vont t'avancer dans ta journée. Puis au final, tu retombes vite dedans, quoi, quand tu l'as tout le temps à portée de main. Après, c'est vraiment une espèce de comment dire, tu dois t'imposer tes propres limites, genre ton téléphone. Parce que tant qu'il est à portée de main, tu vas aller dessus. Et donc, du coup, faut réussir à t'obliger à. Comme tu dis, quand tu vas te coucher le soir, le téléphone, tu le laisses, j'en sais rien, dans la cuisine, il n'est pas à portée de main, c'est pas le premier truc que tu regardes quand tu te réveilles. Ouais, Mais tous pourtant ces trucs, c'est faut pas réussir tant. Moi, à c'est mon s'imposer ça, quoi. alarme. Ouais, et pourtant, ça te sert à plein de choses.
Et du coup, ah oui, ça aussi, c'est que sans les écrans, j'avais absolument pas d'heure. Donc du coup, aucune notion du temps qui passe. C'est un peu compliqué de... Tu te réveilles le matin, tu sais pas quelle heure il est, tu vas voir le soleil, tu fais bon, il doit être, je sais pas, 7h, 8h, tu sais pas trop. Et ça t'enlève en fait énormément de repères. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que du coup, au fur et à mesure des jours, je me suis plus ou moins calée sur le rythme, on va dire, un peu du soleil. Genre, très tôt le matin, t'es réveillée, parce que tu t'es couché tôt le soir, parce que vu que le soir, t'étais pas sur un écran, ton sommeil, il vient plus vite. J'allais te poser cette question, justement, comment tu dormais, parce que je pense que ça, c'est aussi un gros problème. Je pense qu'on a cette sale habitude de regarder une dernière fois Instagram avant de dormir ou de vite aller surfer un petit peu sur Google avant de dormir. Et puis je pense que ça interfère ta qualité de sommeil. Clairement, oui, parce qu'en plus, c'est prouvé que les lumières bleues des écrans, ça excite ton cerveau, entre guillemets, donc ça t'empêche de te poser et d'avoir les bonnes conditions pour dormir. Donc là, vu que t'as pas d'écran, déjà, tu vas manger tôt. Une fois que t'as mangé... je sais pas, tu te mets, t'écris un peu ou tu lis quelque chose, mais du coup, vu que t'as cette espèce d'ennui un petit peu qui s'installe, tu te dis bon, de toute façon, t'as rien d'autre de mieux à faire que d'aller te coucher, donc du coup, tu vas te coucher tôt, tu t'endors plus tôt, et donc le matin, tu te réveilles, j'en sais rien, vers 6-7 heures. Mm-hmm. Et donc, du coup, t'es un peu plus calé sur un rythme naturel, parce qu'on est quand même censé dormir quand il fait nuit-nuit et se réveiller dès qu'il fait jour, tu vois, on n'est pas censé dormir jusqu'à 10 heures du matin. Se coucher à 3 heures, c'est complètement décalé. Même déjà minuit, c'est trop tard. Et on le fait tous. Ça aide vraiment à dormir de ne pas avoir d'écran sous la main. Alors tout le monde nous dit oui, pas d'écran, 2 heures avant de s'endormir et tout, mais le problème c'est qu'on a tellement l'habitude de se regarder une série, se regarder un film. L'écran il est toujours, toujours là avant d'aller dormir. J'ai l'impression qu'on est une génération de flemmards aussi, tu vois, parce que c'est tellement plus facile de regarder une série que. Enfin, pour ma part, que justement prendre un livre et devoir le lire. Ouais, on a l'impression maintenant que c'est un effort inconsidéré, alors que c'est tellement plus intéressant et instructif les bouquins, même si c'est pas des livres qui te parlent forcément de ta spiritualité ou ton développement personnel. Mm-hmm. Le simple fait de lire, que ce soit de la fiction ou pas, ça fait travailler ton imagination, parce que t'as pas les images sous les yeux, donc c'est ton cerveau qui doit les faire. Et c'est, vu que c'est un petit peu plus un effort que juste de se contenter d'un écran, ça aide aussi, je pense, à dormir, du coup, puisque tu te fatigues un peu plus. Et vu que c'est une activité qui surstimule pas ton cerveau, t'es beaucoup plus facilement endormi. Et ça aide, je pense, vraiment pour le rythme en général. Donc le fait que en fait, t'aies plus les réseaux sociaux, que t'aies plus toute cette stimulation qui sécrète toutes ces hormones en toi, dopamine, adrénaline et j'en passe, est-ce que finalement ça t'a pas rendu un petit peu dépressive à un moment donné, est-ce que... Oui, quand t'es habitué aux réseaux sociaux et que t'as toujours cette espèce de petit circuit de la récompense, à chaque fois que t'as une notification, tu cliques dessus, tu vois une info, et on est très addict à ça, le fait que ça disparaisse, je pense qu'au bout d'un moment ça te... Il y a peut-être quelque chose qui te manque. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça qui fait le fait que tu te sentes un peu déprimée ou pas, mais effectivement, à la fin de ma semaine, le dernier jour, genre, j'étais un peu... j'étais un peu à plat, mais je pense que c'était surtout une question de manque d'objectifs, parce qu'une fois que t'as fait le tour des différentes activités que tu peux faire hors de tes écrans, il te manque un peu un but, et t'as, quelque part, t'as envie un peu de retourner dans ta vie digitale, on va dire, pour... continuer tes projets ou enfin avancer un petit peu dans ta vie quoi. Donc je pense que ça cette pause là au bout d'un moment, c'est au bout de la semaine en tout cas, moi j'ai ressenti cette espèce de baisse de motivation, pas de but, qu'est-ce que je fais, je sais pas trop comment m'occuper et tout ça. J'ai juste encore une question par rapport aux informations, parce que finalement ça c'est quand même un point qui est important, je trouve. T'as pas eu accès aux informations, donc tu vois, s'il y aurait eu, je sais pas, un événement brutal dans le monde, bon, t'aurais pas été au courant. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça faut juste parler avec les gens en fait, parce que t'es un peu toute seule sans tes écrans, sans tes infos, mais les gens qui gravitent autour de toi, ils ont accès à internet et tout ça. Donc quand il y avait des choses qui se passaient, il y avait simplement à discuter avec le voisin et à lui demander, tiens, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des nouvelles restrictions, est-ce que machin.
Et au final, tu arrives à être au courant quand même. Mais du coup, ça t'oblige à créer un peu plus de lien social au lieu d'être collé à ton écran et de tout chercher là-dessus. Ça, c'est intéressant. Tu demandes aux gens et t'échanges beaucoup plus. Et du coup, tu as quand même accès aux infos. T'es pas... coupé du monde virtuel, mais pas du monde qui est autour de toi, en fait. T'as des gens... Donc ça, c'est aussi un point intéressant que tu soulèves, c'est que finalement, ben, ça, le fait de ne plus avoir accès à la digitalisation, ça t'a ça permis de, gens, ouais, de créer des vraies relations, en fait, pas des relations virtuelles. Ouais, et on a tendance un peu à oublier, mais t'as pas l'heure sur toi, bah tu demandes l'heure à quelqu'un, t'as pas les infos d'hier soir, bah tu demandes à quelqu'un. Enfin, je veux dire, les gens autour de toi sont aussi source d'information et d'inspiration, t'es pas obligé de leur parler uniquement pour obtenir quelque chose, mais juste une discussion, comme on est en train de faire maintenant. Je veux dire, c'est assez... ça suffit à t'enrichir, et ça suffit aussi à t'occuper, parce que finalement, on peut aussi... l'occupation de ta journée, ça peut aussi être ça, échanger avec des gens, découvrir des nouvelles personnes, et... c'est même parfois plus enrichissant ça que de bouffer du Facebook à longueur de journée, quoi. Moi, j'ai encore une dernière question. C'est à propos de ton retour, parce que c'est beau de se couper pendant une semaine, mais finalement, est-ce que tu ne te retrouves pas à devoir rattraper un retard au niveau des mails, au niveau de tous tes messages? Est-ce que... comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que souvent, j'entends justement les gens, quand ils se coupent au niveau rien de leur travail, ah, j'ai une semaine en vacances, je suis rentrée des vacances, j'ai eu 500 mails à répondre, ou même plus. Oui, t'as l'impression que si tu fais une pause, quand tu vas revenir, tu vas avoir justement ta semaine de pause à rattraper, donc deux fois plus de boulot. Donc au final, la pause, à quoi ça sert si elle te fout deux fois plus de travail derrière? Mais en fait, pour mon cas, en tout cas, donc après mes 7 jours de coupure, quand j'ai récupéré mon téléphone, j'avais certes des messages et des choses à répondre, mais je pense qu'en une demi-heure sur mon téléphone, j'avais réussi à traiter les messages qui étaient importants, j'ai répondu à ce qu'il fallait répondre, et en une demi-heure intensive où tu vois toutes les demandes que tu as eues dans la semaine, tu peux plier ça assez rapidement. Que si j'avais été sur mon téléphone un peu tous les jours dans la semaine, j'aurais pu voir par exemple, ah tiens, j'ai un message, je vais voir, j'y réponds. Puis après, je reste un peu sur mon téléphone parce que je suis sur mon écran, et donc du coup ça m'occupe l'esprit. Et donc au final, si mise bout à bout toutes les parties de mes journées où je suis sur mon écran pour répondre à des messages, ça me prend beaucoup plus de temps que de laisser du temps passer, laisser les messages s'accumuler et tout traiter d'un coup, tu vois. Donc au final, je me suis pas sentie débordée. Et non, justement, je pense que ça t'oblige du coup à utiliser les écrans de façon plus efficace. Genre, tu te fais des horaires où t'es pas joignable, où tu déconnectes de ton téléphone. Et quand tu reprends, certes, t'as plusieurs messages, tu les traites tous d'un coup et ça va plus vite. Et tu passes à autre chose, tu vois. Donc t'as pas vraiment cette notion d'accumulation. Après, moi, je parle pour moi, j'imagine que des gens, en fonction de leur travail, ils peuvent être vraiment débordés. Parce que s'ils ont des gens à gérer et tout ça, c'est pas la même situation. Mais en tout cas, pour ma part, c'était pas un problème Quelles sont tes résolutions, du coup, par rapport à ça? Mes résolutions, entre guillemets, comment tu vas gérer maintenant tout ça? Est-ce que ça t'a changé quelque chose? J'ai essayé de me dire, parce que là, bon, c'est bien beau d'en parler et de se dire, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, mais après, je te cache pas que c'est quand même un peu difficile de s'y tenir et de se dire, ok, mon téléphone, je le mets loin, j'y touche pas, à telle heure, je suis pas dispo, je réponds pas aux messages et tout ça. Mais bon, en termes de résolution, je pense que vraiment organiser des créneaux où t'as droit aux écrans et des créneaux où t'as pas droit aux écrans, ça c'est, je pense, important. Parce que du coup, ça t'oblige à mieux gérer ton temps digital, on va dire. Et ouais, être indisponible, c'est important. Avoir des espèces d'horaires d'ouverture, parce que quand tu travailles en ligne, les gens ils t'envoient un message, tu réponds tout de suite. Alors que si t'étais dans un bureau, t'es pas là, tu réponds le lendemain, tu vois. Donc là, t'as pas cette truc de tout de suite, un message, je réponds. Faut savoir se dire, ça peut attendre. Donc tu mets de côté. Et puis voilà, réussir. Est-ce que tu pourrais faire par exemple une espèce de mail pour répondre dans les jours Une réponse automatique, genre à partir de tel horaire que tu reçois un message, t'as une réponse automatique qui dit pour l'instant je suis pas dispo, je réponds à votre message le lendemain. Ou ça c'est avec les mails, tu peux le faire aussi avec Tu peux le faire avec les mails, tu peux le faire avec la messagerie Facebook, Instagram je crois pas. WhatsApp. Mais bon, après les gens ils attendent, WhatsApp tu peux. Mais ouais, du coup, mettre en place des espèces d'horaires de fermeture. Et puis, essayer vraiment de se détacher des écrans, de garder toujours des moments dans ta journée pour toi.
Et aussi, ouais, je voulais essayer de moins avoir mes écrans genre le matin quand tu te réveilles. Pas que ce soit la première chose que tu fais, c'est ton téléphone et machin. Vraiment garder, te réveiller, faire tes trucs. Et les écrans, c'est vraiment quand tu commences à travailler, pas avant. Donc voilà, faudrait essayer de s'y tenir. Mais je pense que c'est important parce que les écrans, ça nous bouffe vraiment trop notre attention, trop notre... Ça joue sur beaucoup de choses qui sont pas forcément positives. Donc si on arrive à s'en détacher un petit peu, je pense que c'est bien. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je dirais, les écrans c'est bien, mais avec modération. Super conclusion. Non mais voilà, je pense que c'est bien, je conseille à tout le monde de faire ça, de au moins un jour par semaine, je pense, de se détacher de ça. Pas de télé, pas d'ordi, pas de téléphone. Et moi je trouve qu'une fois par semaine, c'est ouais, je pense c'est bien, c'est pas trop, parce que bon, si t'as des, ça, si t'as des obligations et tout ça, ça te met pas trop en difficulté, on va dire, mais ça, c'est un temps... Ouais. Un temps pour toi, je veux dire, les gens, si t'es pas joignable pendant 24 heures, c'est pas la fin du monde, quoi. Finalement, une semaine par année, ça serait aussi... Oui, c'est pas non plus la fin du monde du tout, clairement. Donc voilà. Bon. Ben, merci pour cette discussion. Ça merci à toi de m'avoir posé des questions, c'est beaucoup plus simple de discuter avec quelqu'un que d'être avec juste la caméra, tu vois. Face à un écran. Donc voilà, on met toujours les écrans là. Donc voilà, vous qui êtes derrière votre écran, voilà. J'espère que vous réussirez à couper, à déconnecter peut-être aussi un petit peu et arrêter de regarder ce que je fais, voilà. Oubliez-moi. Non, mais sans ça, mais voilà. Réussir à ouais, s'occuper autrement parce que c'est difficile, mais on peut y arriver. Voilà. Oh yeah! Bye! Bye!